C'est toi, chérie? Eh bien, oui. Qui veux-tu que ce soit? Ah, tu as raison, ma question est stupide. Bonsoir, toi. Bonsoir. Ah, qu'est-ce que tu as, mauvaise journée? Bon, non. Non, mais je suis crevé et je meurs de faim. J'ai donné congé à la bonne, j'avais envie d'aller au restaurant. Bon, très bien. Très bien, ben alors dépêche-toi. Serre-moi un scotch, j'en ai pour 5 minutes. Oui, j'ai quand même été 5 minutes. Quoi de neuf? Oh, pour rien de spécial. Ah si, tout de même, Georges Tesser s'est suicidé. Qu'est-ce que tu dis? Oui, cet imbécile est allé se pendre au bois de Boulogne. On peut dire qu'il aura manqué d'imagination jusqu'au bout. C'est tout ce que tu trouves à dire. Un de tes clients se suicide... Mais tu voudrais peut-être que je prenne le deuil? Il y a qu'en France, il y a 7000 suicides par an. Oui, mais de celui-là, tu... Eh ben va, continue. De celui-là, je suis sans doute responsable, c'est ce que tu allais dire, hein? N'est-ce pas un peu la vérité? La vérité? Alors parce que monsieur vit au-dessus de ses moyens et se fait construire une maison trop belle pour lui, il faudrait que moi je la lui paie? Tu aurais pu lui accorder un délai. Oh, un délai. Si c'est pour pas les respecter, à quoi bon signer des contrats? Mais tu es trop dur, Paul, je t'assure. On ne dirait pas que tu as été sans argent, toi aussi. Parce que j'étais une poire, justement. En affaire, il n'y a pas de milieu. Allez, viens ici. Non, si tu veux que je sois prête... Je t'accorde 5 minutes de plus, viens ici. Alors, je suis un monstre, hein? C'est ça que tu veux dire? Mais non, voyons. Je pense seulement... Eh bien, cesse de penser, embrasse-moi. Allez, maintenant, si tu ne veux pas que je sorte tout seul, dépêche-toi. Je passe ma robe et je suis prête. Ah, il y a une lettre pour toi sur la petite table. De la préfecture de police. De la préfecture de police? Ouais, encore une contravention, probablement. Tiens. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est pas une contravention, c'est une convocation. Et pour le quai des Orfèvres, s'il vous plaît. Tu crois que c'est en rapport avec Tesser? Bien sûr que non, comment veux-tu? Il est mort cet après-midi. Pour affaires vous concernant. Décidément, ces gens-là ont le sens du mystère. Oui. Paul Réau vient d'arriver, commissaire. Réau, attends. Les lettres anonymes. Ah oui, ça y est, j'y suis. Pour le d'histoire, hein. Vous avez vu le dossier? Pour autant qu'on puisse appeler ça un dossier, oui, j'ai vu. Qu'en pensez-vous? C'est pas. Peut-être une plaisanterie de mauvais goût, tout simplement. Alors, de très mauvais goût, alors. Et qui s'éternise. Oui, ça. De quoi a-t-il l'air? Pas trop inquiet, plutôt impatient. Mais tout l'air d'un type qui n'a pas l'habitude d'attendre. Dommage que nous soyons pressés. Je pourrais bien laisser mijoter un peu. Bon, vous le faites entrer et vous laissez la porte entrouverte. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, très bien. Monsieur Réau, s'il vous plaît. Voilà. Prenez place, je vous en prie, monsieur Réau. Commissaire Chenard. Merci, Dubois. Cigarette? Non, merci. J'espère que vous n'êtes pas trop intrigué par notre convocation, monsieur Réau. En fait, je n'attends de vous qu'un simple renseignement. Oui, concernant? Madame Olga Desormières, votre première femme. Nous aurions besoin de connaître son adresse actuelle. Vous ne m'avez pas convoqué pour ça, quand même. Pourquoi non? Parce que le téléphone existe, tout simplement. Oui, vous êtes remarié, j'aurais pu tomber sur votre femme. Et en général, les secondes épouses n'aiment guère qu'on leur parle de leur devancier. J'apprécie votre délicatesse, mais j'ai aussi le téléphone à mon bureau. Ah oui, j'aurais dû y penser. Vous avez raison. Enfin, maintenant que vous êtes là, hein, vous allez pouvoir me renseigner. Ça m'étonnerait.
Depuis le jour de notre séparation, il y a plus de 2 ans, je n'ai revu mon ex-femme qu'une seule fois, en conciliation. Notre ancienne concierge pourra sans doute vous renseigner mieux que moi. Ah oui, mais malheureusement non. Non, votre femme a subitement disparu peu après que votre divorce ait été prononcé. Et le propriétaire a même intenté une action pour récupérer l'appartement. Ah mais il a dû vous écrire au sujet des meubles d'ailleurs. Oui, oui. Oui, je lui ai répondu de les vendre pour couvrir le loyer en retard. Et c'est tout. Vous ne vous êtes pas inquiété d'elle? Oh, non, puisque c'est précisément pour ne plus avoir à m'inquiéter d'elle que j'ai divorcé. Enfin, tout de même, vous aviez été marié pendant 10 ans, je crois. Et alors? Après 10 ans de vie commune, il est bien rare que l'on ait pas à se revoir. Ne fût-ce que pour régler certains détails. Non? Non, non, quand on n'a pas d'enfant et pratiquement rien à partager, il n'y a guère de problème, vous savez. Pas de pension alimentaire? Non, 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 le divorce a été prononcé assez tard. Pour quelle raison? Parce qu'elle me trompait. Dois-je aussi vous raconter comment et avec qui? Pourquoi pas? Désolé. Désolé, mais je voudrais comprendre à quoi rime votre curiosité. Et savoir aussi pourquoi vous recherchez mon ex-femme, si possible. Parce qu'elle a disparu, je vous l'ai déjà dit. Avez-vous une raison de penser que j'y sois pour quelque chose? D'après ce que j'ai entendu dire, des dizaines de milliers de personnes disparaissent chaque année. C'est exact. Et toutes ne sont pas forcément assassinées, bien entendu. Ah, parce que vous pensez aussi qu'elle a été assassinée. C'est pas possible. Vous auriez peut-être pu commencer par là. À moins que vous ne me considériez comme suspect, évidemment. Oh, mais nous n'en sommes pas là. Non, je voulais simplement savoir si vous aviez revu Madame Desormières, enfin, je veux dire, votre première femme. Ou à défaut, si vous aviez entendu parler d'elle. Non. Même pas par l'intermédiaire de lettres anonymes? Expliquez-vous franchement, voulez-vous? Bien. Mais il y a 6 mois, le 29 mai, pour être précis, vous avez reçu une lettre anonyme. Voilà, elle disait simplement, vous avez tué Olga, vous paierez bientôt. 1 mois plus tard, fin juin, seconde lettre. À votre place, je n'attendrai pas l'avantage, je disparaîtrai. Et fin juillet, 1/3 et dernière lettre. L'heure approche. Alors. Comment connaissez-vous l'existence de ces lettres? Elles sont chez moi dans un tiroir fermé à clé. Bon, n'allez surtout pas soupçonner votre entourage, c'est beaucoup plus simple. Nous en avons reçu copie aux mêmes dates que vous, les originaux. Ah oui, je me disais aussi, comme histoire de fou, ça semble réussi, non? Qu'avez-vous pensé en les recevant? Mais que vouliez-vous que j'en pense? Il y a des maniaques partout, et ceux qui ont la manie d'écrire ne sont pas rares. Vous êtes bien placé pour le savoir, non? Oui, c'est vrai. Enfin, les victimes de ces maniaques préfèrent généralement nous avertir et porter plainte. J'y ai pensé. Et finalement, je me suis dit qu'il y aurait sans doute d'autres lettres, et j'ai préféré attendre. Quoi donc? Que l'on me réclame quelque chose, par exemple. Ça pouvait être une tentative pour m'extorquer de l'argent. Mais qu'est-ce qui me prouve, le cas échéant, que vous n'auriez pas choisi de payer? Vous me connaissez mal. Mais si c'est ce que vous croyez, pourquoi me prévenir? Vous auriez dû attendre la suite. Eh bien, nous l'avons attendu 3 mois. Et nous aurions sans doute attendu encore si une 4e lettre ne nous était enfin parvenue. Originale, celle-là. Ah. Et que dit-elle? Eh bien, tenez, elle répète que vous avez tué votre femme. Et elle nous annonce l'arrivée prochaine d'un colis contenant des preuves matérielles de ce crime. Voilà. De mieux en mieux. Vous l'avez reçu, ce colis? Pas encore. Vous en êtes sûr? Quelle importance, au fond, puisque vous avez la conscience tranquille, hein? Ça ne me met pas à l'abri d'une machination. Vous avez des ennemis? Le contraire serait étonnant, je dirige plusieurs affaires. Très importantes. Construction et travaux publics, si je ne m'abuse. Principalement, oui. Oui, ces affaires sont la propriété de votre seconde femme, je crois. Et ce n'est pas un secret. Mais il semble que vous ayez pris soin de vous renseigner. Qu'est-ce que tout ça veut dire à la fin? N'allez pas me faire croire que vous prenez cette accusation au sérieux. Ah, nous sommes là pour examiner toutes les accusations, monsieur Réau. Et nous ne pouvons le faire que sérieusement, même lorsque ces accusations paraissent être de fantaisie. Ça, je ne vous le fais pas dire. Hein? Et que la police perde son temps sur la dénonciation anonyme d'un crime sans cadavre, je vous avoue que ça me dépasse un peu.
N'oublions pas qu'il y a tout de même dans cette affaire un fait inéliable, cher monsieur. À savoir que votre ex-femme a bel et bien disparu. Paul. Oui? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ces lettres? Franchement, je comprends pas. Dès l'instant où je croyais à une plaisanterie, je n'allais pas risquer de t'inquiéter inutilement. Et maintenant? Mais quoi maintenant? Puisque tu n'as plus l'air de croire à une plaisanterie, à quoi penses-tu? Est-ce que je sais? La première idée qui vient à l'esprit, c'est évidemment celle d'une machination. Seulement la réflexion, ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce qu'il est impensable que qui que ce soit puisse espérer sérieusement me faire accuser avec une histoire pareille. S'il suffisait de quelques lettres anonymes pour faire inculper les gens, où irions-nous? C'est bien mon avis. Alors de quoi as-tu peur? Quoi peur? Peur? Tout de suite les grands mots, je réfléchis, c'est tout. Cette histoire de colis contenant des preuves ne me dit rien qui vaille. Tout cela m'a l'air d'avoir été assez joliment préparé. Enfin qui? Qui pourrait en vouloir à ce point? Bon, ça c'est enfantin, je pensais que tu l'avais déjà deviné. Qui veux-tu que ce soit sinon Olga elle-même? Mais pourquoi t'en voudrait-elle? Vous vous êtes séparés à l'amiable. À l'amiable. Un divorce est un divorce, ça ne va jamais sans tiraillement. C'est pourtant ce que tu m'avais laissé entendre. Je te faisais la cour, nous parlions en mariage, je n'allais pas te casser les oreilles avec les péripéties de mon divorce. Je vois, tu as préféré me mentir. Un mensonge pieux, en quelque sorte. Oh non, non, je t'en prie, tu vas pas me faire une scène, c'est franchement pas le moment. Bon, je t'ai menti, d'accord. Mon divorce n'a pas été tout seul et nous nous sommes plutôt mal quittés, ma femme et moi. Elle m'a même promis, puisqu'il faut tout te dire, de me le faire payer cher. Quoi donc? Ce divorce perdu dont elle ne voulait pas. Comment l'as-tu obtenu, alors? Pardon? Je dis, comment l'as-tu obtenu? Tu m'avais dit qu'elle avait reconnu ses torts. Elle les a reconnus parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Tu avais des preuves? C'est ça, oui. De quel genre? Écoute, mais tu m'ennuies à la fin, qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Je te dis que nous nous sommes très mal quittés et qu'elle a promis de se venger. Bon, peu importe les détails. Tout de même. Pour t'en vouloir à ce point et pour monter une pareille machination après si longtemps, en admettant que ce soit elle... Je me demande ce que tu as bien pu lui faire. Je l'ai humilié, là. Tu es contente? Et assez sérieusement même. Humilié? De quelle façon? En la faisant surprendre par un commissaire de police. Un flagrant délit d'adultère. Un flagrant délit d'adultère. Je croyais que c'était périmé depuis longtemps, ce truc-là. Oh, c'est surtout passé de mode au théâtre. Dans la vie, cela se pratique encore. De moins en moins, toutefois. Heureusement. Oui, ça. On a beau dire que la fin justifie les moyens, le fait est que ce n'est pas joli, joli. Bah, bref, le sieur Réau a requis le commissaire. Non, mais c'est pas le plus beau. C'est ce qui s'est passé avant qui est époustouflant. Pourquoi époustouflant? Ben, parce qu'en réalité, Olga Réau n'a jamais trompé son mari. Elle n'a fait que tomber dans un piège tendu par celui-ci. Non. C'est... C'est un joli coco, le sieur Réau. Ça, alors. Mais comment a-t-il fait? Comment est-ce possible? Oh, il lui a fallu qu'un complice et pas mal de culot. Et un beau soir, soi-disant sur le point de prendre le train, il téléphone à sa femme. Chérie, je suis à la gare et je viens de tomber sur un ami d'enfance qui a des ennuis. Bon, j'ai l'intention de l'aider, mais mon train part dans 5 minutes. Est-ce que tu peux le recevoir et l'installer dans la petite chambre jusqu'à mon retour? Alors la dame dit que oui, qu'elle va préparer la chambre, et c'est la fin du premier acte. Le piège est en place, et je suppose que vous devinez la suite. Oui et non. Ce que je voudrais surtout savoir, c'est comment le commissaire a pu se laisser berner. Essayez donc de vous mettre à sa place. Au milieu de la nuit, un monsieur vient vous chercher. Je suis censé être en voyage, mais je sais que ma femme me trompe et je vous demande de m'accompagner. Alors vous suivez le monsieur, qui entre chez lui avec sa clé.
Et vous tombez de le couloir sur un type en pyjama qui a l'air de ne pas savoir où se fourrer. Le mari hurle, menace, ce qui fait sortir madame de sa chambre, en chemise de nuit, bien entendu. Mais enfin, bon sens. Mais attendez, laissez-moi finir, quoi. Le mari accuse toujours, cependant que la dame, les yeux ronds, parle d'amis d'enfance et de coups de téléphone. Quel ami, fait le monsieur, et quel coup de téléphone. Enfin bref, c'est la confusion la plus totale et le commissaire y perd son latin. Jusqu'au moment où le mari semble avoir une idée. Puisque madame prétend que je lui ai demandé de recevoir un homme et de lui donner la petite chambre, commençons donc par y jeter un coup d'œil. On se rend alors dans la chambre où le lit n'est même pas défait. Et devant lequel le complice baisse la tête d'un air qui en dit long. Et pour le commissaire, l'affaire est entendue. La dame peut bien crier, il regagne son bureau et établit son constat. Joli, non? Bon Dieu! Mais enfin, sapristi, comment savez-vous tout ça? Le complice qu'avait trouvé Réo est une vieille connaissance à moi. Un monsieur assez peu reluisant qui est en train de purger 5 ans pour escroqueries diverses. Quand il a vu dans les journaux la photo de l'ex-madame Réo et notre avis de recherche, il a demandé à me voir. Alors? Alors quoi? Ben, qu'en pensez-vous? Il me semble que tout cela nous ouvre des horizons, non? Oui. La réussite de cette ignoble comédie ne laissait aucun recours à la femme. Réo a obtenu son divorce en un temps record. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ait accepté définitivement la défaite. Ah, ça, j'avoue qu'à sa place... Vous voyez bien. Bon, alors, première hypothèse. Vengeance de la dame. Elle disparaît de la circulation, laisse passer du temps, puis met en route une machination dont nous n'avons peut-être pas encore tous les éléments. De ce côté-là, il nous faut donc attendre. Mais cela nous mène déjà à une seconde hypothèse. Bon, vous voyez pas. Attendez. Voyant sa femme proférer des menaces et bien décidé à ne pas en rester là, Réo décide de la tuer. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Exactement. C'est très bien. Et cela colle parfaitement avec le caractère du bonhomme. Oui, j'ai obtenu sur lui quelques renseignements complémentaires. Tenez, par exemple, l'histoire de son second mariage n'est pas non plus jolie. Oh oui, oh bah ça, on commence à avoir une idée assez nette du personnage. Et il s'était pourtant marié par amour à 24 ans. Mais ça avait dû être dans un moment d'aberration. Car en fait, il n'a jamais pensé qu'à l'argent. Pendant 6 ans, il tâte de divers métiers. Puis il atterrit dans l'immobilier. Ouais. Où il se fait une situation moyenne, sans plus. Et puis un jour, il y a 3 ans environ, il fait la connaissance de sa femme actuelle. Elle n'est pas belle, et elle a 10 ans de plus que lui. Mais elle est veuve d'un constructeur et propriétaire de plusieurs grosses affaires. Hein. Réo décide que c'est la chance de sa vie, et il se jure bien de ne pas la laisser passer. Mais malheureusement, il est déjà marié. Et à une femme toujours amoureuse, irréprochable, et qui n'acceptera certainement pas de le perdre. D'où la nécessité de lui inventer un amant. Et où notre seconde hypothèse prend corps, oui. Car rien ne prouve qu'après ce coup de jarnac, Olga Réo soit restée passive. Elle ne pouvait plus empêcher le divorce, certes, mais elle pouvait encore essayer de torpiller le remariage. En face d'un saligo pareil, ça aurait été la moindre des choses. Ben oui, bien sûr. Alors, elle menace d'aller trouver sa rivale, de provoquer un scandale, et finalement, Réo la tue pour la faire taire. J'espère que vous avez raison. Je serais pas mécontent de le coincer. Ah ben, vous oubliez la femme. Personnellement, je lui souhaite d'être encore en vie, même si elle est en train de nous monter un bateau. Oui, bien sûr. Mais ça m'étonnerait. Ou alors, il faudrait qu'elle soit drôlement naïve, non? Parce qu'enfin, c'est bien gentil d'être anonyme. Mais il y a tout de même pas de quoi obtenir une inculpation. Jusque-là, non. Mais nous n'en sommes qu'au début. N'oubliez pas que la dernière lettre nous a promis un colis, mon cher. Commissaire Chenard, police judiciaire. Bonsoir, madame. Je désirerais voir votre mari, s'il vous plaît. Il n'est pas encore rentré, mais il ne serait tardé. Vous désirez l'attendre? Avec votre permission, oui. Volontiers. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer. Je vous remercie, madame.
Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, madame. Puis-je vous demander la raison de votre visite, commissaire, ou bien est-ce indiscret ? Bon, mon Dieu, madame... Ne soyez pas embarrassé. S'il s'agit encore de ces lettres anonymes, je suis au courant. Depuis quand ? Eh bien, mais... Depuis quelques jours. Ah. Et ça ne vous a pas étonné que votre mari ne vous en ait pas parlé plus tôt ? Non, pourquoi ? Il n'a pas voulu m'inquiéter. C'est donc que vous les trouvez inquiétantes, ces lettres ? Probablement pas dans le sens où vous l'entendez. Je trouve désagréable de voir la police s'introduire dans notre vie privée, c'est tout ? Oui, bien sûr, je vous comprends. Enfin, convenez qu'il nous serait difficile d'ignorer ces lettres et qu'il est regrettable que votre mari n'ait pas choisi de nous en parler le premier. Si tous ceux qui en reçoivent vous prenaient au mot, vous seriez bien attrapés. Non, madame, non. Non, je veux bien que vous défendiez votre mari, mais ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Beaucoup de gens reçoivent des lettres anonymes, certes, mais il y est rarement question d'assassinat. Ah bon ? Autrement dit, si un fou m'accusait de vouloir assassiner le pape, il me faudrait vous apporter sa lettre. Encore une fois, ne forcez pas votre innocence, madame, je vous en prie. Primo, il n'est pas question d'un projet, mais d'un assassinat qui serait déjà perpétré. Secondo, assassiné ou non, la personne dont il s'agit a bel et bien disparu. Oh, j'ai tort de m'en prendre à vous, je sais. Tout ça est affreusement grotesque, mais vous n'êtes évidemment pas responsable, je vous demande pardon. Aucune importance. J'ai l'habitude. Nous sommes rarement les bienvenus. Oh, c'est peut-être aussi bien d'ailleurs. Mal reçus, nous sommes moins gênés pour poser nos questions indiscrètes. Soyez indiscrets, je vous y autorise. Quoi que vous en pensiez, mon mari et moi n'avons rien à cacher. Êtes-vous sûr de pouvoir parler en son nom ? Concernant tout ce qui pourrait regarder la police, oui, certaine. Et de l'un à l'autre, rien de caché non plus ? Rien de très important, je pense. Je connais très bien mon mari. Ah. Oui. Et je l'aime tel qu'il est. Pourquoi cette précision ? Parce que je crois deviner ce que vous pensez de lui. Ce n'est pas difficile, d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul. Pour m'épouser, mon mari a quitté une femme très belle et de beaucoup plus jeune que moi. Je ne crois pas qu'il m'ait épousée uniquement par intérêt. Nous étions attirés l'un par l'autre. Mais il ne l'aurait certainement pas fait si j'avais été sans fortune. Mon mari aime l'argent. J'admire votre franchise et votre lucidité, madame, mais pourquoi me dites-vous cela ? Pour vous prouver que je le connais vraiment bien. Et afin que vous m'accordiez quelques crédits pour la suite. Du temps où il était sans argent, mon mari était prêt à bien des concessions pour s'en procurer. Peut-être même à certaines compromissions. Mais je vous certifie. Vous entendez ? Je vous certifie qu'aucune fortune au monde ne lui aurait fait commettre un assassinat. Parce que ? Parce qu'il n'a pas le cran qu'il faut pour accepter de grands risques. Quelques petites combinaisons à la limite de la légalité, oui, peut-être. Mais risquer l'échafaud ou de longues années de prison, certainement pas. Mais en somme, vous êtes en train de me dire que derrière son aspect autoritaire, votre mari serait un homme assez... Assez prudent, oui. Eh bien, sincèrement, je vous admire, madame. Si j'osais... Je préfère que vous n'osiez pas, commissaire. D'ailleurs, j'entends mon mari qui arrive. Nous avons une visite, mon chéri. Bonsoir, monsieur Réau. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, commissaire du nouveau ? C'est pourquoi je suis là, oui. Parfait, je vous écoute. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais autant que nous parlions seul à seul. Je vous demande pardon, madame, mais... Il n'y a rien à cacher à ma femme. Dites ce que vous avez à dire. Eh bien, comme vous voudrez. Mais j'ai à vous parler, entre autres, de votre divorce et... Et vous vous demandez si j'ai bien eu connaissance d'un certain constat. À vrai dire, je pense surtout aux péripéties qui ont rendu ce constat possible, madame. Ah. Oui. Bon, écoutez, finissons-en, puisque le commissaire semble y tenir tellement. Tu vas nous laisser un instant, chérie. D'ailleurs, il est temps que tu te prépares. Nous sortons. Ah. Eh bien, dans ce cas, je vous dis bonsoir, monsieur le commissaire. Bonsoir, madame. Oui, si j'ai bien compris, vous avez parlé à votre femme de cette histoire de constat, mais en omettant certains détails, non ? Et moi, si je comprends bien, vous continuez de fouiner partout. J'ai eu la chance de retrouver votre
votre ami d'enfance de l'époque, le soi-disant amant de votre femme. Bon, très bien. Je me suis servi d'un stratagème pour l'obtenir, ce divorce, et après. Vous comptez me faire emprisonner pour ça? Non. Faux témoignage et outrage à magistrat, ça ne vous vaudrait jamais que quelques mois. Et vous voulez davantage? Oh, moi je ne veux rien, monsieur Réau. Je ne veux rien. Ça dépendra. Tenez, regardez plutôt ceci. Voilà, est-ce que cette robe vous dit quelque chose? Non. Non, j'ai l'impression d'avoir déjà vu un tissu semblable, mais quant à vous dire où... Cette robe appartenait pourtant à votre ex-femme. Enfin, du temps où vous étiez encore avec elle. Bon, c'est vous qui le dites. Où avez-vous encore été chercher ça? Devinez. Ah, oui, je vois. Le fameux colis qu'on vous avait annoncé, je suppose. C'est cela même. Et maintenant, regardez la robe d'un peu plus près. Ces trous, vous voyez, ces trous, sont autant de coups de couteau, et toutes ces taches ne sont en fait que du sang séché. Oh, décidément, nous sommes en plein grand guignol. Le colis contenait aussi des sous-vêtements, également maculés, et les chaussures de votre femme. Oui, votre fournisseur aurait mieux fait de vous envoyer le cadavre, ça aurait été plus probant. Écoutez, n'essayez pas de plaisanter, vous savez très bien que tout cela commence à devenir sérieux. Il ne s'agit plus simplement de lettres, monsieur Réau. Ça n'est pas mon avis. Mettez la main sur l'auteur des lettres et vous aurez du même coup la propriétaire et l'expéditrice de ces hardes. Ah, oui, c'est cela votre idée? Oui, parfaitement, c'est ça. Une machination montée par mon ex-femme qui veut se venger de moi. À moins... Oui? À moins que quelqu'un ne l'ait vraiment tué et ne cherche à me faire endosser le crime. Mais ça m'étonnerait. C'est peu vraisemblable, en effet. Le coupable d'un crime qui n'a pas été découvert n'a pas besoin de s'en décharger. Et à moins qu'il ne tienne tout spécialement à me faire incriminer. Oui, et pour quelle raison? Si je le savais, il n'y aurait plus de mystère. La seule chose dont je sois sûr, c'est de n'avoir jamais tué personne. Et vous prétendez toujours n'avoir pas revu votre ex-femme depuis la conciliation? Oui, pourquoi? Non, pour rien comme ça. Mais pardon, vous avez dit vous prétendez, c'est donc que vous ne me croyez pas. Mettons que cela ne me soit pas facile. Oui, le colis que nous avons reçu contenait encore une lettre. Mais de vous, celle-là. J'ai fait contrôler, il s'agit bien de votre écriture. Quoi? Une lettre de moi? Un billet, plutôt. Posté après votre passage en conciliation. Et dans lequel vous fixiez un rendez-vous à votre femme. Oui, en pleine forêt de Saint-Germain. Et à la tombée de la nuit. Oui, en pleine forêt, peut-être. Mais dans un restaurant. Et comme de toute façon, elle n'est pas venue à ce rendez-vous. J'aimerais vous croire, seulement je suis bien obligé de constater qu'à partir de cette date, précisément, nul n'a jamais revu votre femme. Enfin, bon Dieu, c'est insensé. Si j'avais une intention de la tuer, vous ne pensez tout de même pas que j'aurais été la convoquer par lettre? Mais je n'ai pas parlé de préméditation. On compte s'expliquer, on fixe un rendez-vous, et puis... Pourquoi vouliez-vous la voir? Elle menaçait de faire un scandale, je voulais tenter de la calmer. Au besoin, en lui offrant un dédommagement. Et pourquoi dans ce lieu retiré? J'avais promis de ne pas la revoir. Mais, vous ne me croyez pas? Je vous aurais cru plus volontiers si vous m'aviez raconté cela spontanément. Faut tout vous arracher, vous. D'où vous concluez que je suis coupable? J'ai pas dit ça. Soyez logique. Je ne peux pas non plus en déduire que vous êtes blanc comme neige. Oui, bien sûr. Et maintenant? Et puis maintenant, l'affaire va être remise aux mains du juge d'instruction. Vous allez un peu vite. Vous ne me ferez jamais croire que je pourrais être inculpé avec ça. Mais je ne dis pas que vous allez être inculpé. Je dis que le juge d'instruction va être saisi. Oui, par la suite, c'est lui qui décidera. N'essayez pas de me faire peur, je ne marche pas. C'est tellement énorme que je ne consulterai même pas mon avocat. Vous auriez tort. Vous savez, quand elles sont très fortes et qu'elles s'accumulent, les présomptions finissent par valoir une preuve. Et l'on se retrouve alors devant un jury. Mmh.
commissaire. On continue. Le juge trouve que ça en vaut la peine. Mais naturellement, il tique sur notre informateur. Ah, il va falloir se mettre en chasse sérieusement. Et avec quoi? Trois lettres et un colis posté dans Paris? Ça mène pas loin. Il y a l'écriture, les bureaux de poste, l'emballage, la routine habituelle. Ça vous connaît, ça, hein? Ah, c'est gai. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, Réau est indiscutablement un type sans scrupules, et je le crois capable de bien des choses, mais... Mais? Ah, je sais pas, je sais pas. Il a l'air tellement dépassé par moment qu'il m'y ferait presque croire à cette machination. De sa femme? Non. De son ex-femme, mon cher, attention. Ah bah, de son ex. Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais. Et... Eh mais dites donc, commissaire, et si c'était l'autre qui lui mijotait ça, l'actuel? Compliment, mon vieux. Belle imagination. sait-on jamais. Supposez qu'elle ait été déçue par Réo, par exemple. Qu'elle ait découvert qu'il n'était pas l'homme qu'elle avait cru. Oh, écoutez, elle n'aurait pas eu besoin d'un tel cirque pour se débarrasser de lui. Ah, ça dit, votre supposition n'est pas entièrement fausse. Geneviève Réo sait exactement à quoi s'en tenir sur son époux. Bah, seulement elle l'aime, voulez-vous. Et elle l'accepte tel qu'il est. C'est elle qui vous l'a dit? Oui. Ça a pu être vrai et ne plus l'être. Ça change vite, les femmes. Oh, bon Dieu! Mais quoi, enfin, qu'est-ce qu'il y a encore? Et si c'était elle qui avait tué l'autre? Pour éviter le scandale ou pour être sûr qu'on ne lui reprendrait pas le bonhomme? Et puis, un peu plus tard, elle renverse de nouveau la vapeur. Pour une raison ou pour une autre, elle en veut à son mari... Et elle décide de le faire incriminer. Ah, papa, c'est limpide, en effet. Elle a tué la femme parce qu'elle aimait l'homme, mais en pensant qu'elle pourrait peut-être un jour le détester. Hein, c'est ça? Et alors, en prévision de ce jour, elle a mis soigneusement de côté quelques pièces à conviction. Ouais, évidemment, évidemment. Eh, dommage, ça me plaisait bien. Et puis, ça nous aurait évité les bureaux de poste, la ficelle et les fabricants de papier. Tu ne veux vraiment pas m'accompagner? Non, tu sais très bien que la mode, ça ne m'intéresse pas. Oh, c'est plutôt pour sortir un peu. Et puis la présentation du soir, c'est généralement plus amusant. Non, n'insiste pas, je t'en prie. Ça m'ennuie de te laisser seule. Tu attends, ne t'inquiète pas, je vais en profiter pour réfléchir. C'est justement ce que j'aurais voulu t'éviter. Quand tu auras encore passé toute la nuit à réfléchir, tu ne seras pas plus avancée. Tu n'as pas resté dehors toute la nuit, quand même. Non, bien sûr. Je risque de tomber sur des gens qui voudront que j'aille prendre un verre. Eh ben... Tu reprendras un verre, ça te changera les idées. Remarque, je dis ça, je ne sais même pas qui m'a fait envoyer cette invitation. C'est un nouveau couturier. Ce sont les petits mystères de Paris. Tu auras peut-être une bonne surprise. Oui. Paul. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Tant qu'à réfléchir, pourquoi ne pas inviter Pierre à venir prendre un scotch? Ah non. Ah non, pas question. Consulter un avocat, ça serait commencer à me défendre. Pierre est avant tout notre ami. Et d'ailleurs, si on t'accuse, il faudra bien que tu finisses par te défendre. Alors toi aussi, tu y arrives, hein? Toi aussi, tu penses que je l'ai tué. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Seulement tu as des doutes. J'ai peur, un point c'est tout. Si tu attends d'être inculpé, il sera peut-être un peu tard. Mais je ne suis pas encore inculpé, va. Ça n'est quand même pas avec trois lettres anonymes et quelques morceaux de chiffon qui vont m'envoyer aux assises. Qui sait s'ils n'auront pas bientôt autre chose. Suppose qu'ils découvrent le corps, par exemple. Bah, et allez donc, nous y voilà. Tu ne penses même plus qu'on pourrait retrouver Olga vivante. C'est vrai, tu as raison. Sans trop savoir pourquoi, je pense qu'elle a été tuée. Mais je te jure que je ne te soupçonne pas un instant. Chaque chose en son temps, il faut que l'idée fasse son chemin. Sois pas méchant, je t'en prie. Je donnerai n'importe quoi pour que tout cela finisse. Bon Dieu. Dire qu'il suffirait que cet abruti de commissaire retrouve l'expéditeur de ses lettres. Tu es injuste, il a l'air très bien cet homme. Non. Tu ne penses donc plus que c'est Olga elle-même qui les a envoyés? Mais pas forcément, le coup vient d'elle, mais elle peut avoir un complice. Tu as pensé à vos anciens amis? Bon, nous n'en avions pratiquement pas. Olga n'y tenait pas, elle préférait vivre à deux. Quant à moi, on n'en ai jamais eu non plus. C'est pourtant vrai que je ne t'en connais pas.
À quoi ça tient-il, selon toi ? Écoute, je me suis jamais posé la question, je vais pas commencer aujourd'hui. Va t'habiller. Tu ne veux pas que je reste ? Non, 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 sors, va t'amuser. Tu m'agaces. Ah, nous faisons décidément un curieux couple. Tu ne trouves pas ? Généralement, quand les choses vont mal, les êtres se rapprochent. Et chez nous, c'est le contraire. Mais oui, je sais. Tu me l'as déjà dit que j'étais un monstre. Oh, pas un monstre, non. D'un certain sens, même, tu serais plutôt à plaindre. Ouais. Eh bien, cesse de t'apitoyer et va-t'en. Si tu me pousses à bout, je finirai par te dire, moi aussi, ce que je pense de toi. Oh, c'est inutile. J'en sais probablement beaucoup plus long que tu ne l'imagines. Bonsoir, Paul. Madame. Bonsoir, Paul. Olga. Je me demandais si tu me reconnaîtrais dans le noir. D'où sors-tu ? Un instant, veux-tu ? Je sais bien que tu vas toujours au plus pressé, mais tout de même, tu pourrais peut-être me laisser entrer d'abord. Oh, quant à cela, rassure-toi, je t'en tiendrai plutôt de force. Eh bien, commence par me laisser passer, alors. Hein ? Merci. Ah ! Dis donc, c'est autre chose que notre petit trois pièces, évidemment. Avoir ton manteau, tu n'as pas l'air d'être à plaindre non plus. Il te plaît ? Si tu voulais bien m'aider à le retirer, il fait très chaud chez toi. Merci. Oh, mais dis-moi, j'y pense. Est-ce que tu es seul ? Oui, je suis seul. Parfait. Ce que j'ai à te dire ne regarde que toi. Enfin, du moins pour l'instant. Et plus tard ? Je suppose qu'il me faudra faire aussi une petite visite à la police. Tu n'auras rien contre, je pense. On ne peut décidément rien te cacher. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Tu n'as pas changé. Tu aurais même plutôt rajeuni. Oui, je mène une vie très active, ça me réussit. Ah. Toi, par contre, tu as changé. Oui, tu es toujours aussi belle, mais tu as quelque chose. Tu as quelque chose de plus volontaire, tu es splendide. Pour la volonté, j'ai pris exemple sur toi. Finalement, notre séparation aura été pour moi un choc bénéfique, en quelque sorte. Je te l'avais toujours dit, sur le moment, on ne peut jamais dire si une chose est bonne ou mauvaise, il faut attendre. Eh bien, j'ai attendu. Et tu vois le résultat. Aujourd'hui, pour un peu, je te remercierai de m'avoir trompé et bafoué. Oh, bafoué. Je t'ai joué un méchant tour, c'est vrai. Mais nous étions en guerre. Nous étions, oui. Mais d'ailleurs, peu importe le passé, parlons du présent. Cette machination inouïe, ces lettres et ce colis, c'est toi, n'est-ce pas ? C'est moi. Tu voulais te venger et me faire payer. Intérêt est principal. Je te l'avais promis. Oui, je me souviens de la formule. Et quand tu m'as joué ce méchant tour, comme tu dis, j'ai cru devenir folle. Sur le moment, j'ai songé à te tuer. Et puis, j'ai réfléchi. Je me suis dit que la mort serait peu de chose. Ce que je voulais, finalement, c'était que tu souffres. Longtemps. C'est une réaction assez normale, je peux la comprendre. Et alors ? Je cherchais un moyen, mais je ne trouvais rien. J'étais trop désemparée. J'avais trop mal. Tu venais de détruire en quelques mois 10 ans d'un amour extraordinaire. Car je t'ai aimée. Follement. Tu le sais. Mais oui, je sais. Et c'est alors que j'ai rencontré un homme qui s'est mis à m'aimer. Follement. Lui aussi. Je ne risquais pas de répondre à ses sentiments, bien sûr. Mais j'avais besoin d'un appui. Et je me suis confiée à lui. Il a compris tout de suite. Et il a été très habile. Au lieu de chercher à me séduire, à me faire oublier, il a proposé de m'aider.
de m'aider à me venger de toi. C'est de lui l'idée de cette prétendue disparition. C'est de lui, oui. Et c'est lui aussi qui m'a donné la force de patienter. Moi, j'aurais voulu agir tout de suite. Mais c'était pas son intérêt, pourtant. Ah oui, parce que... Il souhaitait m'épouser. Mais j'ai refusé. Je voulais ma vengeance d'abord. Oui, je vois. Et maintenant? Tu n'as plus rien à craindre, puisque je suis là. Son plan était parfait, mais il exigeait avant tout que je ne revienne jamais. Dès l'instant où je reparais, tu es sauvé. Tu m'en vois très heureux, mais... Pourquoi? Pourquoi ce revirement? Je vais t'expliquer ça aussi, mais je meurs de soif. Tu m'offres quelque chose? Bien sûr, voyons. Scotch, cognac, bière... Tu as de la glace? Elle n'attendait que toi. Alors, scotch. Où étais-tu durant tout ce temps? En Asie. C'est vague. C'est exprès. J'aime raconter dans l'ordre. Dis-moi au moins comment tu es partie. Ça ne doit pas être tellement facile de disparaître ainsi d'un jour à l'autre. Très facile, au contraire. Je suis partie avec une petite valise contenant juste les quelques vêtements que tu as revus récemment. C'est très drôle. Seulement à l'époque, la police n'a retrouvé ton nom nulle part. Tu n'as pas gagné l'Asie. À la nage, je suppose. Non, en bateau. Et en me faisant passer pour la femme de mon compagnon. Et vous aviez déjà décidé à ce moment-là de me faire accuser près de 2 ans plus tard. Bien sûr. Puisque j'emmenais déjà les pièces à conviction. Tiens. Merci. Bon, les pièces à conviction, c'est peut-être beaucoup dire. Vous espériez vraiment me faire condamner avec ça? Oh, pas à l'échafaud, bien sûr, ni même à perpétuité, mais... Oui? 10 ou 15 ans, c'était possible. Je crois que ça aurait été terrible pour toi. Oh, oui, ça, j'en conviens volontiers. Allez, bon, n'y pensons plus. À quoi buvons-nous? Cette question. À ta santé, évidemment. Je te jure que ça n'est pas une formule. Eh bien, à ta santé aussi, alors. Sincèrement. Oh, c'est fort, Lino. Je peux avoir un peu d'eau, s'il te plaît? Oui, oui, je vais t'en chercher. Personnellement, j'en prends jamais. Voilà. Merci. Comme ça, c'est très bien. Et maintenant? Maintenant, assez de suspense. Je suis très heureux que tu aies annoncé à ton projet de vengeance, mais je t'avoue que je ne comprends pas encore très bien. Pourquoi ce renoncement de dernière minute? Exactement, je ne sais pas. Peut-être... parce que je suis heureuse, tout simplement. Parce que tu es heureuse? Oui. L'homme dont je t'ai parlé est un type très bien. Hein? Je l'aime d'une autre façon que je ne t'aimais toi, sans doute, mais je l'aime. Attends, on dirait que tu es en train de le découvrir maintenant. C'est un peu ça, dans un sens. Au moment de toucher au but, à l'instant d'accomplir ma vengeance... Je me suis peut-être demandé si cela en valait encore la peine. Si j'en tirerais finalement la moindre satisfaction. Pourquoi... Excuse-moi. Pourquoi peut-être? Tu te l'es demandé ou non? Quoi donc? Si tu tenais encore à ta vengeance. Ah oui. Oui, je me suis posé la question. Oh... On a beau vivre 2 ans avec une idée fixe, au moment de la réaliser, on hésite encore. Oui. Et alors, comme... Oh, ben, je te demande pardon, je sais pas ce que j'ai tout d'un coup. Comment t'es-tu décidé, finalement? Oh, très simplement... Mais encore, à quel moment as-tu décidé de renoncer?
En vérité, je n'ai pas renoncé, Paul. Je t'avais promis que tu paierais. Le moment est venu. Quoi, qu'est-ce que tu... Bon Dieu! Tu m'as fait boire quelque chose. Quelque chose, en effet. Non, 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 n'essaie pas de te lever. Il est déjà trop tard. Tu m'as empoisonné, c'est ça, hein? Je t'ai fait boire un poison, oui. Mais il n'est pas mortel, rassure-toi. Pas mortel. Remarque, quand je dis rassure-toi, c'est une façon de parler. Que ce poison n'ait pas été définitif, j'espère que tu le regretteras bientôt. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as encore inventé? Je mets la dernière main à mon plan. C'est tout. Ensuite, je vais pouvoir vivre, enfin, et penser à toi avec plaisir. Oui, tu vas disparaître à nouveau, hein, c'est ça? Je suis arrivée en France ce matin et je repars dès cette nuit. Pour toujours, cette fois. Et les lettres, le colis, comment as-tu fait? Mon mari s'est occupé de tout. Ton mari? Oui. Oh, je t'ai fait un petit mensonge tout à l'heure. Cet homme dont je te parlais, je l'ai épousé il y a un an. Oh, je ne te crois pas, tu n'aurais pas pu sans papier. Oh, dans le pays où nous vivons, l'état civil n'est pas encore très exigeant, tu sais. Olga, Olga, jure-moi que tu ne m'as pas menti, que je ne vais pas mourir. Sois tranquille, je te l'ai dit. La mort, oh, ce serait vraiment trop facile. Ta cruauté, ta petitesse et tes procédés ignobles, tu vas les payer lentement. Jour après jour. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu crois? Tu le sauras bientôt, va. Ne t'inquiète pas. Dans un moment, bien avant que ta femme ne rentre de la petite réception où nous l'avons envoyée, la police sera là. Et demain matin... Demain matin... Ne sois pas si pressé. Tu verras bien. Dors maintenant. Olga. Olga. Adieu, Paul. À l'hôpital, monsieur Rio. À l'hôpital. En attendant que l'on vous prépare une jolie cellule. C'est vous, commissaire? Oui, c'est moi. Comment êtes-vous là? Oh, vous savez, ma présence ici est moins surprenante que la vôtre. Si vous n'aviez pas renversé un lampadaire en tombant, vos voisins n'auraient pas pu appeler police secours. Alors, reste à savoir si c'est une chance ou une malchance. Je ne comprends pas. Sans ce petit incident, vous ne vous seriez certainement pas raté. Pas raté? Oh, notez que c'est très aléatoire, le poison, comme porte de sortie. 8 fois sur 10, ce n'est qu'une fausse porte. Un bon revolver est tout de même plus sûr. Que voulez-vous dire? Vous n'imaginez pas que j'ai voulu me suicider, quand même? Et on se l'imaginerait pour moins que ça, vous savez. Le poison, le flacon vide dans la main, le couteau sur la table. Le couteau? Quel couteau? Enfin, bon Dieu! Allons, ne vous inquiétez pas. Là, voilà, vous avez besoin de repos. Non, mais je comprends très bien que vous ayez envie de vous rétracter, mais il est un peu tard. Fallait pas vous rater, ou alors ne pas avouer. Mais vous êtes fou! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et de quel couteau parlez-vous? De celui qui vous a servi à tuer votre femme, vous le savez bien. La seule chose qui m'échappe un peu, c'est que vous l'ayez gardé. Oh, bon Dieu, je comprends tout. Je vais vous expliquer, commissaire, je vais tout vous dire. Non, mais restez tranquille.
Restez tranquille. Le médecin m'a ordonné de sortir si vous vous agitez. Non, 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 ça va très bien. Ouais. Je suis très calme. Laissez-moi vous dire. Voilà. Allez-y, maintenant. C'est une histoire inouïe, vous savez, à peine croyable. Du moment que c'est vous qui le dites. Hier soir, ma femme est arrivée chez moi. Enfin, je veux dire, Olga, mon ex-femme. Tiens, tiens. Elle m'a d'abord dit que tout s'arrangerait, qu'elle avait renoncé à se venger. Voyez-vous ça. Et puis, elle m'a envoyé chercher de l'eau. Et elle en a profité pour mettre le poison dans mon verre. Chez l'enfance de l'art, évidemment. Une fois que le poison a commencé à faire son effet, et alors que je ne pouvais déjà plus me lever, elle m'a tout dit. Très intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi souriez-vous? Pour rien, voyons, pour rien. Allez, continuez. Enfin, si ça vous amuse. Comment si ça m'amuse? Enfin, vous n'allez pas me dire... Non, écoutez, Réo. Je ne sais pas si la cochonnerie que vous avez avalée vous a vraiment tapé sur la tête, ou si vous me prenez pour un imbécile, mais pour l'instant, une seule chose est sûre. Vous avez besoin de vous reposer. Bah, mais c'est la vérité, voyons. Ma femme était là, bien vivante, elle m'a empoisonné. Depuis 2 ans, elle se cache en Asie. Et elle y est repartie cette nuit. Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est la vérité, je vous le jure. Je vous le jure, commissaire, vous devez me croire. Ne vous fatiguez pas, mon vieux. Vous raconterez cela tranquillement à votre avocat, hein. À mon avocat? Enfin, je doute qu'il vous conseille de vous en tenir à votre petite histoire. Mais vous verrez bien. Mais c'est la vérité, commissaire. Je vous le jure. De toute façon, en admettant même que vous la fassiez avaler au jury, je suis pas certain que vous gagneriez au change. Hein? L'asile, pour un type comme vous, ce serait peut-être pire que la prison. L'asile? Oh, vous n'aurez guère le choix qu'entre ces deux solutions, mon cher. Et maintenant, reposez-vous. Reposez-vous. Simulateur ou non, vous me paraissez en avoir sérieusement besoin.